Pouf pouf YouTube, partie 2 sur le serveur Pouf pouf Life, Pouf pouf colis. Oh, le petit bug, t'as vu, je spawn en policier, ouais, en ouais, militaire. Ouais. C'est beau. Donc on vient de découvrir un nouveau... À mon avis, colis, tu as dû toucher au fichier police. Non, pas du tout. Alors là, non. Non ? Non, non, non. Ah, c'est cool, on est entièrement en militaire. Oh, on est sur Wasteland, c'est incroyable. Xaliox vient de sub. Merci à toi pour ton sub, jeune loup. Bien joué, bienvenue dans le clan. Du coup, un smiley de circonstance, un pistolet d'or, mec. Merci à toi pour ton sub, jeune loup. Je vais renvoyer le mot de passe pour que tu puisses venir. Alors, le petit pistolet que je ne peux pas modifier. Tu veux venir, oui? À mon avis, on va pouvoir éditer le fichier police, si tu veux mon avis. Il doit y avoir un petit souci au niveau du truc police. De quoi? Au niveau de la tenue, je pense. Je pense que ça vient de là, on a du tout. Tu le rachètes juste, hein, tout simplement. Et puis, je sais pas, c'est peut-être... C'est la première fois que ça fait ça, donc moi, j'ai pas touché à Init Cop, donc... Bon, c'est pas grave, on ira mater après. Ouais. Alors, donc là, on est stuff comme des guerrieros, ça. Autant vous dire qu'on est bien stuff. Alors, ah ouais, t'as juste racheté la tenue, ouais, ça, c'est cool. Ouais. Alors, au niveau de la tenue, pour ceux que ça intéresse, en fait, quand on est un serveur sans launcher, on peut mettre une tenue, mais cette tenue, en fait, elle se copie juste sur l'autre, en fait. Elle remplace la première tenue. Ce qui veut dire que bah, c'est une seule tenue en plus, en fait, qu'on peut mettre. 1, 2, 3, retirer. Voilà. De quoi ? Hop. Alors, magasin de vêtements, je vous montre, cop, voilà. Et donc là, du coup, on a la petite tenue policier américain. Mais, et on fait plus SWAT qu'autre chose, là, quand même. Oui, c'est vrai. Après, on changera par la suite, hein, c'est juste pour le début. Vas-y. Ah, le poste de contrôle, on l'a pas montré. Ce que ah t'as non, fait. Bon, on va aller le montrer, les gens. Coli a fait le poste de contrôle, il a commencé à traduire un peu la map aussi. Oui, j'ai continué pendant un moment, et puis il faut terminer. Ouais, ouais, et quand je vois tout ce qu'il y a... Le camp rebelle, il est là. Il a mis une nouvelle icône, elle était moins visible avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas de frontières. Enfin, bah, c'est la map par défaut, en fait. C'est la map que vous aurez si vous créez un serveur Altis au début, tout simplement. Avec donc déjà tous les métiers de fées. Et voilà. Mais c'est hallucinant ce qu'on a réussi à faire en une après-midi, quand même. Attends, ouais, je suis bah... là. On va pas m'écraser. On va prendre le Strider, comme ça on est sûr de survivre. Vas-y. Allez, on fait péter le Strider, les gens. Strider police, quand même. Et ça, c'est beau. Mon ordinateur est mort, je peux pas venir. Papa, David Bacon vient de sub. Merci pour ton sub, jeune loup. Bienvenue dans le crew. Profite des smileys. Et franchement, merci. Merci à toi pour le soutien. Alors, bon, du coup, bah là, on fait péter la licorne. Merci à la toi. La licorne. Ouais, ouais, on fait péter la licorne, là. Hop là. Merci à ceux qui sub, à ceux qui tips. Et bien évidemment, merci à toi qui mates ce stream. Vous êtes 805 et c'est juste incroyable. C'est énorme, les gens. C'est énorme. 10 joueurs de co, c'est normal, les gens. On a changé le mot de passe pour être plus tranquillou. Voilà. Juste pour vous montrer que le but du serveur, c'est pas d'être le top FR, hein, les gens. Ce top FR, ça veut dire plein de bordel à gérer. Et on a une vie aussi. Donc, ça, c'est Coli qui a fait ça. Là, en face. Et ça, c'est classe. C'est, Coli, dis-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un poste de contrôle. Exactement. Et ça, c'est beau. C'est Coli qui a tout fait. Tu vas peut-être nous expliquer comment qu'on fait, rapidou. Tout simplement, j'ai mis des petites lumières à terre pour faire joli. Mais donc, au lieu de mettre des barrières pour éviter qu'il y ait des trolls qui les ferment... Oui, vous l'avez forcément vu sur Twitch ou sur YouTube, les mecs qui se causent sur des serveurs pour trolls, qui se couchent le long des barrières et qui s'amusent à les descendre et à les refermer ouais, ouais, quand les voitures arrivent. Donc on viendra nous-mêmes avec nos barrières et... Voilà. Ou les voitures. Si j'ai... Ah, c'est ça, oui, le mode barrière que je dois installer. Mais si jamais on n'y arrive pas, au pire, on mettra juste une bagnole et puis voilà. Alors lui, s'il m'écrase, c'est ban direct. Hop, tiens, est-ce qu'il y a le radar? Non, il n'y a pas le radar, c'est un truc que je regarderai, voir si on peut l'installer. A noter que tout ce qu'on a installé jusqu'à présent, c'est sans launcher, on a juste modifié la mission. Ce qui veut dire que, par exemple, le skin du téléphone, là, téléphone portable, bah, ça a l'air ultra classe et ultra compliqué à faire, mais ça m'a pris, allez, 10 minutes.
10 minutes. Et ça marche vraiment. Regardez, message admin. Hop, ça marche vraiment. C'est vraiment incroyable ce qu'on a réussi à faire. Interpol aussi qu'on peut mettre. J'ai trouvé un tuto pour le mettre en français. Ah oui, Rebelle, on vous montrera un peu ce qu'on peut faire. C'est vraiment pas mal. Mata qui dit, pourquoi tu crées un serveur? En fait, j'ai rien compris. Parce que t'es venu en retard. En fait, Mata, Altis, ça fait un moment que j'y joue et je voulais voir ce qui se passait côté admin, tout simplement. Voilà, donc c'est juste pour faire mumuse avec les commandes admin et ajouter des textures. C'est tout. Voilà. Et en l'occurrence, c'est Coli, un mec que vous connaissez un petit peu. J'ai joué une fois avec, je crois. Allez, monte dans la truc. Allez, tu veux conduire? Non. Non. Non, non, non. Non, non, je veux pas conduire. Ah, tu veux qu'on aille où? Coli, car kill, 2 heures, Coli. Ouais, il m'a tué avec son code, mais je pense pas qu'il l'a fait exprès. Mais okay. Il en a tué deux quand même. Ça marche. Ouais, non, mais vaut mieux prévenir que guérir, tu as bien raison. Mais le serveur en public, non les gens, pas tout de suite. On a vu, il y a encore 2-3 trucs à changer. Ça sert à rien de le rendre disponible à tout le monde pour que tout le monde vienne dire les voitures explosent quand on les achète. Ça va reboot dans quelques secondes. Je crois que ça, c'est bon, ça reboot. Ah ouais, ça reboot. Donc les reboots sont toutes les 6 heures à partir... On a fait ça normalement, ça commence à partir de 2h du matin. Non, c'est pas vrai. À partir de minuit, toutes les 6 heures. Fais menu admin pour voir ce que ça fait. Non. Non, non, c'est secret, ça. Ça, c'est secret. Les gens, vous êtes 811. Enfin, c'est hallucinant, quoi, le nombre que vous êtes. Il y a du monde qui est en vacances. Est-ce que j'ai mis les graphismes à fond? Non, on est en élevé. Parce que Arma 3, c'est un jeu qui est cool, mais qui est pas très bien optimisé, en fait. Tu sais ce qu'on peut aller montrer? C'est le rebelle avec le mode que j'ai ajouté où on voit pas les pseudos quand le mec d'accord, est masqué. Ouais. Mais moi je suis Jean Gilly. T'es Jean Gilly? Oui. Oh là là, voilà, il a déjà restart. Oh merde, attendez, je dois pas vous montrer le mot de passe, surtout pas. Sinon c'est un carnage. Hop, voilà. C'est bon les gens, on est reparti. Du coup je pop en civil à Attira, c'est ça? Oui, tiens. Ah, ça, échec c'est... de connexion. Il était en attente. Alors, attendez, je vous le ramasse. C'est moi qui ai fait une connerie. T'as pas changé le mot de passe? Non, non, je suis dessus, moi. Voilà, tu te connais. Alors, demain, go à Miami au calme. Bah, il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont de la chance. Mais le serveur en ultra, non. Ça sert à rien en ultra parce que ça consomme pas mal en FPS. Et vu que je rec et que je stream derrière... Ça va tout bouffer en fait. De toute façon, ça change pas grand chose. Ouais, ça change pas grand chose. Le jeu est beau dans tous les cas. Enfin, à partir de LV, c'est très très joli. Donc, non, j'ai pas mis les graphismes en ultra. Pouf pouf à ceux qui arrivent, les gens. Bienvenue. Donc, on pop en civil, on a dit. Voilà. Mode qui est fait par Tonic. Hein. À noter que. Je vous dis, on a juste suivi des tutos. En fait, c'est tout. C'est tout. David Bacon, c'est quoi le mot de passe? GG le top viewer de 900. Merci à toi, David Bacon. J'envoie pour les subs, jeune loup. Et tu vas le recevoir dans quelques secondes. Alors, j'ajoute le petit smiley. Allez, on va mettre un smiley cœur. Parce que c'est beau, les gens, ce qu'on est en train de vivre. Sur Twitch, c'est incroyable. Alors, attendez, parce que forcément, je me merdouille. On va mettre le cœur là. Voilà. Alors, affiche-moi le jeu, s'il te plaît. On pop où, du coup, Attira? Oui, je suis déjà dessus. Il faut acheter un nouveau véhicule parce que le garage est à Gravia, mais ça va être changé bientôt. Ok. Faut juste installer le truc et c'est bon. Les gens, j'envoie le mot de passe à Altis pour les subs. Allez, le mater. Spawn, en avant. Donc voilà, donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Pareil, c'est pas compliqué pour ceux qui ont un serveur Altis. Vous avez un fichier à modifier, puis vous mettez les lignes que vous voulez. Voilà. C'est plutôt sympathique, d'ailleurs. Au début, je pensais que c'était ultra compliqué, puis en fait, avec Coli, on a maté des tutos, on a pris notre temps, et ça va. En fait, c'est comme gérer un serveur Minecraft. Il faut être patient. Ouais, c'est de la patience, et savoir utiliser Notepad++ et FileZilla. Voilà, si vous savez utiliser les deux logiciels-là, vous savez faire un bon serveur Altis Live sans launcher. Voilà, donc là, c'est ce que je vous disais. Donc là, c'est Coli, c'est ça? Ouais, c'est moi. Donc là, regarde, Coli... Peut même prendre la... Coli est devant moi. Mais voir ta tenue par terre. Vas-y. Coli est devant moi, regardez bien. J'espère que ça a marché. Pouf! Ah, oh, c'était Coli! Les gens, c'était Coli. Vas-y, remets. Regardez bien son petit nom, les gens. Regardez bien.
Et boum! Mais qui es-tu? Masked Player. À noter que quand on fait Y... Ah, on voit Coli là. Normalement, on doit pas le voir, Coli. Normalement, c'est mis Masked Player. Ouais, il faut regarder parce qu'on avait remarqué ça tout à l'heure aussi. Ah, bah j'irai mater alors le truc. Ouais. Donc voilà. Bref, dans tous les cas, le mec qui veut savoir qui c'est, il sait forcément qui est devant. Mais bon, on a trouvé que c'était plutôt cool, tu vois. Ça rajoute un petit RP. Le mec qui a une guillon, on sait pas qui c'est. Voilà. Bah après, si on chipote, bon, tu cherches, t'appuies sur P, tu regardes qui est co, et puis voilà, tu fais le calcul. Alors, tu veux plus être avec David, mais avec Coli. Non, les gens, c'est faux. C'est David qui est pas disponible là, mais David viendra sur le serveur s'il veut. Mais comme je le disais au début, David, il a son serveur à gérer. Ça lui prend déjà beaucoup de temps. Et j'allais pas le faire chier en plus avec mes conneries pour vouloir faire un serveur pour faire des tests. On le mettra brigadier s'il veut. Ouais, on le mettra brigadier. Mais je continue à jouer chez David. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là au début, vous l'avez vu, c'était pas sur mon serveur qu'on a fait ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a ajouté comme truc? Ah oui, si, ça c'est les bagnoles. Graffiti, tu l'as pas encore montré. Non, pense. C'est comme le Tron, je l'ai pas montré. Tu as de quoi acheter? Ah merde, j'ai pas la licence, il fait chier. Il est où le vendeur de licence là? T'as la licence toi ou pas? Ouais, j'ai la licence normalement. Bah j'ai vas-y, sors. Sors-les. Hop. Alors, attention, elle a devant vos yeux ébahis. Attention, je vais y arriver, voilà. Boum! Ah oui! Ah, celui-là, il est magnifique aussi, celui-là. Il est trop bien fait. Comment il s'appelle? Graffiti, c'est non Graffiti. Graffiti. Il me fait penser un peu à Far Cry 4. Le thème un peu avec les couleurs. C'est vrai que c'est un peu Far Cry. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est joli. Mon serveur sera permanent. Alti, je sais pas. On verra. Ça fait 2 jours qu'il est ouvert. On verra. On verra comment ça se passe. Si c'est pas trop pète couille et si on continue à s'amuser dessus, oui. Si au bout d'une semaine, on a fait le tour des plugins et qu'on se fait chier, non. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas de serveur Altis. Essayez. Je vous dis, c'est intéressant de tester des trucs, d'ajouter des fichiers, de reboot et de voir. Enfin, c'est marrant. C'est marrant. Parce que ça a l'air hyper compliqué à faire. Hein. Mais en fait, c'est... Faut suivre le tuto et être patient, comme disait Coli. Voilà. Ah ouais, elle est vraiment pas mal celle-là. J'aime bien. La texture est dégueulasse. David l'aurait jamais mis sur son serveur. Non. Mais nous, vu qu'on s'en fout. Mais sors la voiture YouTube Money là. Allez, elle est vraiment excellente. Ouais, vas-y, juste pour le plaisir. Vas-y, bouge juste le véhicule, je te l'ai ouvert. Vas-y. Vous voyez, c'est quand même plus tranquille quand on met un mot de passe que peu de gens connaissent. Il y a moins de lockpick et d'écrasage de joueurs. Hop, alors. Là. C'est lequel tu voulais? La YouTube Money. Ouais, sors la YouTube Money. Regardez-moi ça. Maintenant, il va être obligé, dès qu'il stream, il sera obligé de prendre ce véhicule. YouTuber, YouTube. Alors, la bagnole là, déjà sur mon serveur, mon pseudo est connu, je pense. Mais si en plus je roule avec ça, c'est trop classe. Alors, c'est dégueulasse, c'est mal fait, c'est laid, la texture, la police est vraiment dégueu, mais c'est marrant. Voilà, la YouTube Money, les gens. Pour ceux qui se demandent ce que je fais de l'argent des dons, j'achète des voitures sur Altis Life. Pouf. Et ça, c'est beau. YouTuber. Non, mais... C'est incroyable. La texture, là, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Mais qu'est-ce que c'est marrant. Genre, je peux faire la Twitter voiture, la Facebook voiture. Les possibilités sont infinies, les gens. Les possibilités sont infinies. Tu vas mettre le GIGN. Non, je sais pas. Pour le moment, c'est pas prévu. Gros event tank fait pas... Bah, par exemple, des events, c'est un truc qu'on pourra faire facilement sur le serveur. Étant donné qu'on fait ce qu'on veut. Par exemple, si on dit on achète plein de bagnoles et genre on fait une sorte de go fast d'un point du DP6 par exemple au DP8, bah genre c'est difficile à faire sur un serveur sans que ça dégénère et tout ça. Alors que là, ça peut être facilement mis en place. Vous voyez, vous avez reçu un salaire de 1 500 $. J'ai monté ça. Ah, tu vas manger? La Twitch voiture. La Twitch voiture, les gens, c'est une idée, la Twitch voiture. Pourquoi tu mets pas un launcher? C'est trop compliqué et c'est pas le but. On peut faire tellement de choses sans launcher. Y a pas besoin de launcher. Go Unturn. Unturn remarche le serveur. Je l'ai refaire démarrer. Pour ceux qui veulent des infos sur mes différents serveurs, faut aller là. Voilà. Pour le moment, les seuls serveurs permanents, c'est Wasteland et Unturn. Y a que les deux là qui sont sûrs de rester.
Bouygues Télécom, ça pourrait bien faire le truc illimité. Ouais, bah j'aimerais bien, mais pour le moment, c'est pas le cas. La Youporn voiture. Bah après, on peut faire la Lidl voiture, la Carrefour voiture. Vous voyez, les possibilités sont infinies, les gens. Et on a laissé les textures de base aussi. Donc là, il y a un mec qui a acheté une voiture, je sais pas qui c'est. À noter qu'il y a toutes les commandes. Quand on fait touche Windows, quand on est flic, on a accès à toutes les commandes. Enfin, voilà, c'est Percy Nitrado, quoi, tout simplement. La base, les gens. La base. Kenny voiture. La Kenny voiture, elle est faite. Tu peux la sortir ou pas? Oui, bien Il y sûr. en a qui l'ont pas vu, la Kenny voiture. Alors. Bon, je vous relink Nitrado, les gens. Parce que c'est grâce à eux que je peux ouvrir autant de serveurs comme ça. Parce qu'on va pas se mentir, je pourrais pas sinon louer autant de serveurs par mois. Vas-y. Alors ça, la voiture là, c'est Bibi qui l'a faite. Je l'ai déjà montré, mais j'en suis très fier. Elle est jolie en Le plus, petit smiley JVC avec le cœur. Mon Kenny, qui est un peu mal texturé, mais enfin bref, on s'en fout. Les Kenny de South Park, le bâton de la vérité. Kyle, Stan, Cartman, Kyle et Kenny. Stan, voici, ouais, si c'est ça. Stan, Kyle, voici, ouais, si c'est ça. Et devant, mon logo Ras Super. Avec un effet de petit nuage en fond. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça m'a pris 5 minutes. Et c'est trop classe. Donc je vais pouvoir faire des textures de bagnole. Il y a un problème en policier. Ouais, bon, on mettra ça plus tard, Alexis. Voilà. La magie, les gens. La magie. Du coup, ouais, faudrait tester les textures, ce qu'on peut faire. Ça peut être marrant. Jimmy! Pouf pouf! Jimmy qui doit venir de se réveiller, je pense. Je viens de prendre mon serveur, mais l'installation prend 45 minutes et c'est pas fini. Ouais, au début, c'est long, au début. Mais une fois que c'est installé, ça fonctionne bien. Donc voilà. Franchement, rien à redire. C'est Ouais. vraiment un bon service. Ouais, ça fait plaisir. Ça fonctionne bien. Et on tourne à 40 FPS, mais parce qu'il n'y a personne, mais c'est relativement fluide, c'est cool. Donc voilà, donc ça c'est cool. Voilà, on peut installer autant de skins qu'on veut sur les bagnoles. Après, il y a peut-être une limite par rapport au jeu. Mais je pense déjà, si on met genre 10 skins par voiture. Ça permet déjà de mettre pas mal de trucs. Vous voyez, c'est au niveau des SUV. Bah en fait, à mon avis, mais on peut les mettre à l'infini, en fait, les skins. C'est quoi le skin tuning? Aucune idée. T'as assez d'argent pour l'acheter après en Vaucan Rebelle? Oui, bien sûr, j'ai assez d'argent, t'inquiète pas. Vas-y. Niveau argent, je suis bien. Ah, t'es riche! Il y Ouais. a un high qui est passé sur le serveur, les gens, il a donné. Allez, tiens, prends mon argent. Prends mon argent. T'as oublié les pseudos des subs sur la voiture. Oh, ce serait trop long. Ce serait trop long. Mais justement, j'ai mis le petit smiley des subs. Regarde, avec un petit cœur. Si ça, c'est pas un signe. Non, ce serait trop long, les trucs de smiley. Et écrire des noms, c'est débile, parce que regarde. En fait, le côté là, eh ben, c'est le côté là. Mais si j'écris ici, salut, de l'autre côté, ce sera salut, mais à l'envers, et ce sera dégueulasse. C'est ça la voiture tuning? Ok, bon voilà, la texture est pas très très jolie, mais c'est marrant. C'est juste que Tuning, pourquoi tu l'as appelé tuning? tu sais pas, j'avais pas d'idée. En fait, on avait tellement de textures qu'on savait pas quoi mettre en idée. Et c'est celle où il y a les pneus qui sont. Oui, si, ouais, j'ai vu, je sais pas pourquoi ils m'ont fait ça, les mecs. Retirer. Vas-y, on va au camp rebelle. Vas-y, on prend laquelle? Oh, choisis. 1, La 2 Kenny, ou allez. 3. La Kenny, C'est la allez, dans meilleure. la Kenny. C'est la plus rapide en plus. C'est pas vrai. Vas-y, vends-moi du rêve. Alors, monte la trône. Non, les gens, on va pas tout montrer. Hein. Les cassos, les voitures de cassos. Oh, le jaloux. Jaloux, va. Avec le petit. J'espère que JVC fera pas chier parce que j'ai utilisé son smiley. Je ferai une voiture App aussi. App et Noël. Et puis, il y aura les gangs rebelles App et les gangs rebelles Noël. Oh là T'imagines là. la connerie? Le serveur vachement sérieux, les gens. Ouais. Bienvenue en C'est vraiment dictature. ça. Ah ouais, version craquée. Non, les gens. Il faut acheter des jeux, les gens. Il faut acheter des jeux. T'as gagné au loto. Ouais, on a gagné. Bah, c'est l'intérêt d'être admin, en fait. On peut. Même si chez David, je suis pas malheureux sur Altis Life FR, mais là, bon, on s'est dit, allez, vas-y. Allez. On arrose. On arrose tout le monde. C'est quoi cette voiture? Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est le X6 de base, le SUV de base, et où j'ai mis ma texture dessus. Voilà, texture faite main avec Photoshop. Voilà. Si. En plus, je suis sûr que certaines personnes ne savaient pas qu'on pouvait faire ça. Donc j'ai fait ça vite fait juste pour vous montrer que c'était possible.
Voilà, n'importe qui peut faire un skin sur une bagnole Altis Life, les gens. La preuve, la voiture fait du trampoline. Ouais, mais ça, c'est normal, ça. Mais en fait, ça change rien. Le fait qu'il y ait un skin perso ne change rien du tout à la bagnole. Alors, ta 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 ta. Tu peux mettre des garages de customisation. Tout ce qu'on peut faire sur le serveur, c'est que des trucs qui demandent zéro launcher, en fait. Si ça demande un launcher, c'est pas possible. Alors, bonjour, bonjour. Véhicule shop. Alors, rebel weapon. Donc, il y a des armes rebelles qui sont dispo. Et si je fais clothing, regardez, je vais vous montrer. Par exemple, je peux un training carry. Il va y avoir un petit peu plus d'armes rebelles par la suite aussi. Hein, si okay. C'est comme on est. Et au si début. Je prends chapeau et ça. Voilà. Bah, moi, forcément, on le voit pas. Hein. Mais en gros, colis, peux-tu dire mon nom ? Masked player. Voilà. En gros, si on met une cagoule. Après, on reconnaît ta voix. Hein, mais... Ouais, ouais, mais bon, c'est histoire de montrer un petit peu en fait. Si, vous voyez, lui il a rien, donc on voit son pseudo, c'est Hugo Louis. Lui, il est masqué, c'est Masked Player. Et j'ai trouvé ça ultra classe. Alors, on va acheter un petit sac à dos quand même. Sac à dos, acheter. T'as rajouté des armes, c'est ça ? Ça, c'est. Ah, véhicule shop. Il y a un truc qui est cool. Ah, oh, on peut que le louer. Oh, fût ! 1 million, il faut. Attends, j'ai envie d'acheter la voiture mitrailleuse. Ah ouais, le tout-terrain. Ouais, oh, c'est... Oh, ça va dégénérer, ça. Ça a été fait pour pas qu'ils savent sortir ça dans Kavala, tu vois, dans le garage de Kavala ou quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce que t'imagines où le truc. Attends. Bon, 1 million, c'est peut-être un peu beaucoup aussi. Hein. Non, mais mec, d'un côté, il y a une grosse mitrailleuse. Ah, ok. Tu veux qu'on fasse un tour ? Attends, je veux... J'aurais bien tiré sur la bagnole, mais ça va tuer l'autre joueur, donc c'est pas marrant. Attends, je vais la bouger, attends. Vas-y. C'est bon, ferme ton véhicule avant qu'il vienne là. Ouais. Imagine le mec qui vient, il se barre. Bon, alors ça, on sait pas si on va le laisser, mais c'est marrant. Les rebelles, ils ont la grosse mitrailleuse de fou. Par contre, faudrait le même véhicule pour la police, tu vois. Bon, les gens, est-ce que vous êtes prêts pour faire défoncer la Kenny ? Bandai ! On l'a pas duré longtemps. Non, mais en même temps, là, c'était du Wasteland, là. Donc là, c'est la base rebelle que Coli a fait. Bah voilà, vous voyez, Masked Player. C'est pas encore très... Ouais, très amélioré, c'est... Hein. On vous dit, on a fait ça en... une après-midi. Oh, il y a même l'animation quand on recharge. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, je me disais bien que ça explosait pas. Donc voilà. Et forcément, les PNJ n'ont rien. Voilà. Donc pour ceux qui aiment bien jouer à Wasteland, allez sur le serveur Wasteland et pas ici, les gens. Va défoncer des civils. Oh, non, mais les gens, franchement. Quoi. Je pense que t'as fait un malheureux avec sa voiture. Ah merde ! Ah, c'est vrai ! Ah zut ! Tu lui remboursé. Ok. Ah, j'avais zappé, c'est vrai. Le mec, il défonce tout, les gens. Tu peux faire un soir où les cracks sont on. Non ? Ça servira à rien, les cracks. En plus, le jeu est vraiment pas très cher, donc non, ça servira à rien. J'avais déjà fait des serveurs Minecraft où on acceptait les cracks. À part des problèmes, ça a rien rapporté, en fait. Alors, du sang. T'as pas mis ton t-shirt ? Non, j'ai pas mis mon t-shirt. T-shirt qu'on pourra mettre, peut-être, mais non. J'ai pas maté encore pour la texture des t-shirts. J'ai juste maté pour texturer des véhicules. Donc voilà, on est là. On va aller voir s'il y a les cartes. Au car shop. Normalement, car shop. Oui. On va les checker. Faut juste que tu ouvres et puis on va aller voir si tu veux. Ah, excuse-moi. Vas-y. T'en veux pas. Je suis désolé. I'm sorry. Oh putain, c'est tellement. Non, mais ça, à mon avis, on va devoir l'enlever parce que ça va tellement dégénérer avec ça. Oh, pour 1 million, c'est. Ouais. Ou alors, les flics, ils ont quoi pour contrer ce bordel là ? Non, ils ont rien pour le moment, mais ça peut s'arranger. Ouais, bon, on verra ça offline, mais ouais, non, parce que hey, ce bordel là, t'imagines ? Oh, l'arme de fou, quoi ! Tu fais gagner ça ? Bah, le mec, c'est bon, il braque n'importe quoi avec ça. C'est sûr, hein. Avec ça, avec 2 balles, tu fais péter des pneus, je pense. Ouais, ouch ! La belle D5, ça c'était joli, les gens. Rage à un conseil. Stop l'anglais. Oh, Jimmy. Non, Jimmy. T'as pas le droit, Jimmy, de me dire ça. Moi qui voulais venir dans ton pays. Jimmy, je suis très déçu.
Je suis très déçu, Jimmy. Fais une prise d'otage. Non, les gens. Non, non, non. Il n'y a pas assez de personnes. Non, et puis même, on est 3, mec. On est 7. Ah, parfait, le truc est là. Alors, est-ce qu'on peut acheter des cartes? Alors. Attends, parce que je pense que je suis sur le spawn. Ouais. Alors, voyons voir. Tu crois que c'est lui, le mec qui vend les... Ouais, c'est lui. Bonjour. Oh, c'est beau. On peut acheter les combinaisons. On va acheter un petit carte, les gens. Oh, genre, j'ai pas la licence. Il faut une licence? Oui. Pourtant, j'ai le DLC. Oh, Où est-ce qu'elle a la licence? Oh, il faut aller au truc de licence. Ah, je sais pas. Faudrait checker ça, tu vois, au niveau de, du truc. Bon, c'est pas grave, j'ai pu acheter la tenue. Ah, oh, c'est bête. C'est bête, c'est bête. Je mettrai aussi un ATM, parce qu'il y a... Ouais, oh, il y a pas d'ATM ici. T'as vu, j'ai pris la vieille truc bleu toute dégueulasse, là. Comme c'est... Attends, on va voir, là. Ouais, parce que chez David, le vendeur était de l'autre côté. Mais... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, genre, bon, en regardant ça. Fait tout péter. Non, les gens. Non. Les gens, on a dit non. On peut essayer de faire la pompe, de faire péter la pompe à essence. Ah, ouais, vas-y. On va, on va regarder. On va se mettre loin, parce que quand ça pète, ça pète, hein. Je dois tirer, je sais quoi que je dois viser. Le truc du milieu, essaye plus ou moins. Vas-y, t'as plus. Plus de munitions, je recharge. T'as plus de munitions? Si, si, attends, ça recharge ici, autant pour moi, j'en ai encore 100. Oh, oh non. Genre, l'explosion, elle a été tellement puissante qu'on est mort aussi. Ouais, et on était loin en plus. Je ne savais pas que ça pouvait exploser. Non, il n'y a pas les pompiers, les gens. Il n'y a pas de moto non plus, parce qu'il faut un launcher. Je me suis déco à 19h30. Bah depuis, j'ai switch de serveur. C'est tout ce que j'ai fait depuis. Merci à ceux qui me follow, les gens. On a dépassé la barre des 10 000 dernièrement. Ça fait vraiment super plaisir, les gens. Ça fait super plaisir. Bon, vous savez quoi? Je pense que... Event American Nightmare. C'est un truc que je veux faire, la purge sur Altis Life. C'est un truc que je ferai, ça. Tu connais ou pas American Nightmare? Ouais, ouais, je vois ce que c'est. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, David, on en avait parlé, mais au final, en effet, ce sera trop le bordel sur le sien. En gros, on décide d'une journée, enfin, disons d'une heure plutôt, parce qu'une journée, on va pas se mentir, ça va être vraiment long. Genre, par exemple, de, allez, 20h à 21h30, les kills sont autorisés, en fait. T'as le droit de tuer tout le monde. Mais ça va être un carnage, donc faut bien faire ça, parce que si c'est juste, t'achètes une mitrailleuse, tu tires sur tout le monde, je sais pas, faudra... On verra ça plus tard. Il vient d'où, Coli? Coli, c'est un lieutenant ou capitaine? Capitaine, oui. Capitaine du serveur AltisLifeFR.com. Serveur de... Fait punk des... Non, les gens, commencez pas avec les tanks. Commencez pas avec les tanks. 10 167 follow, les gens. Eh ben, ça, c'est beau, les gens. Pouf, pouf, à ceux qui arrivent. Enfin, c'est hallucinant le nombre que vous avez été. Hein. C'est incroyable. Voilà. Est-ce qu'on va réussir? Plus que 20 secondes. C'est incroyable, les gens. Le nombre de personnes. Incroyable. Et ce qui est cool, je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est qu'on affiche la liste des spectateurs. C'est irréel. Tous ces petits pseudos sur ma chatbox. Irréel. Vous avez qu'à le faire, pour ceux qui veulent voir... Tu veux qu'on spawn où? On peut spawn à Kavala, je pense. Ok. Kavala. Voilà. Bon, les gens, moi, de mon côté, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai présenté un peu ce qu'on avait fait. À noter qu'il reste encore quelques trucs à faire. Ça peut aller vite, comme ça peut prendre quelques jours. On n'est pas pressé. Et voilà. Voilà. On va se remettre là. Je vais aller là-haut. Coli, je sais pas, un petit dernier mot, des trucs à rajouter? Bah... Non, pas spécialement. On veut des tanks. Les gens, mais vous êtes... Vous êtes vraiment mauvais. Tu arrêtes quand de stream? Là, je vais arrêter de stream, les gens. J'ai fait le tour, on vous a montré, on a testé un peu les bugs, on a vu où il y avait les soucis là au niveau des spawns. Hop, Alexis. Oh putain. Ouais, il y a aussi un truc qu'il faut que... Bon, je t'expliquerai en offline, parce que genre, s'il y a un mec qui troll, enfin, les mecs ils peuvent se bloquer entre eux, tu vois.
Vas-y, t'es bon. Ça peut être vite pète couille. Au niveau du spawn de Kavala, on va se laisser ici. Ok. Sur le petit spawn de Kavala. Voilà. Les gens, je pense que nous avons fait le tour. Je pense que nous avons fait le tour. Je stream toujours en 4G, les gens. Exactement. Je stream toujours en 4G. Monte la voiture, Batman. Les gens, on va laisser un peu de surprise. Voyons. Voyons. Pour ceux qui veulent des infos, dans tous les cas, quand le serveur sortira, il y aura une vidéo qui sera faite sur la chaîne YouTube pour expliquer comment ça va se passera pour ceux qui veulent devenir flics et tout ça. Pour le moment, à mon avis, ça peut être fait très vite. Donc, vous verrez, les gens. Ce sera une surprise. Ce sera une surprise. Bon. Nous, on va se laisser là-dessus, YouTube. Deux petites vidéos qui mettront énormément de temps à se upload. Cette vidéo sortira sur YouTube dans une semaine, je pense. Parce que j'ai tellement une connexion de merde. Et la vidéo fait déjà 3,5 Go. Ça va être... Bref, à mon avis, le serveur... Quand vous verrez cette vidéo, le serveur sera déjà sorti, je pense. Je pense que le serveur sera déjà sorti. Ah. Allez oui. Les gens, on se laisse là-dessus, à plus dans le bus. Star super. Tchou. À plus, colis. À plus. Tchou.